sportives. Il y a des matchs de tennis avec des poils à frire. Il y a le fameux concours de boules carrées. Bon, le but du jeu, c'est que gagnant ou perdant, tu payes à boire. Ça commence à 8h du matin. Il y a des joueurs, bon, il y a 6 ans de ça. Bon, on arrive, le mec il nous ouvre une salle, nous installer, au moment où on vient. On s'installe, on fait le sol, 8h, 8h30, 9h, dégueu, même pas d'organisateur. Du coup, la porte qui s'ouvre, véridique, là on a un coco, sidéré. La porte qui s'ouvre et elle se prend. Mais un flot de gens, tu vois. Femmes, enfants, animaux. Mais tous, mais déchirés. Et le mec, il fait, ouais, c'est l'apéro. Il y avait tellement de trucs, l'apéro. Le mec, il plus debout et tout, tu vois. Allez, bonjour, car. Ah, là, vous pouvez pas y aller à l'apéro. Vers les 11 heures. Avec on est dit, on m'a joué. Ouais, alors, est-ce qu'on va faire? On jouait peu. On sert pas dans l'ordre d'œuvre. Et après, bon, le temps que le plat de résistance, vous faites la pause et vous revenez sur le dessert. Bon, on rentre sur scène, il est 11h, les mecs attendent. Ouais, putain, trop mal. Puis les mecs, ils se levaient, ils chantaient sur les tables et tout. Bon, pas possible d'en passer une sur scène, quelque chose d'abominable. Ouais, tu vois. Surtout, là, tu leur demandais pas, allez, chante avec nous, parce que tu t'es mort. Bon, ils chantaient pas du tout ce que tu chantais toi. Tu n'existais pas, c'était pareil. T'as le bien le frigo. Oui, regarde au frigo, regarde un bamba. Et du coup, on fait la pause. Et là, c'est l'inverse. On rentre. Et les mecs, ils sont arrivés au point d'un non-retour. Au fur et à mesure qu'on faisait les morceaux, vous voyez les mecs, ils tombaient sur les tables. Et ça a fini. J'ai été complètement hystérique. On finit le concert. Ouais, c'est moi, dernier qui était vivant, super, sympa et tout. Et il y en a un qui rentre, il fait Oh, il y a des jeunes, ils sont en train de piquer les voitures, les amis. Du coup, t'as toute la salle qui sont là. Les mecs de Roquevert. Ils se barrent. Tu vois, les mecs qui se barrent, les bagnoles partout pendant une heure. Tu sais, les voitures qui passaient. Ils cherchaient, ils pistaient les mains. À un tel point qu'on a rangé le matos, on a mis dans les bagnoles, on s'est cassé, on n'a jamais fermé la salle, on n'a jamais plus vu personne. J'avais plus vu personne. Tu le cachais? Ah, le cachet, on l'a vu avant de jouer. Ah bah, c'est ça. Il y a des mecs qui s'étaient ramenés. Bon, ça, c'est fait. Oui, bon, mais merde. On aurait pu se barrer, je crois. Tu vois? Et ça, ça a été, voilà. C'est un jour sur qui ne va pas jouer à la question comme ça pour la fête du fan. La fête des fans. C'est que là, il faut être tout terrain, je te le dis.